Je dis, c'est pas fait, je suis pas sur ça. Je suis pas sur ça. Je dis que fais pas le genre de travail là. Je fais pas ça. C'est la ration que je n'ai pas donné. Il te dit, c'est fort. C'est fort. Je n'ai pas rassuré. C'est fort. Et tu sais que les funérailles, ça ne donne pas. C'est seulement les funérailles. Je ne suis pas la fille d'une baille en gang. Elle connaît le mieux. Ça va aller. Ah bon? C'est pour ça qu'elle dit qu'on part ton machin. Ok. Espérons que ça va donner. Il faut qu'on cherche un pousseur. Comment les préparatifs là, non? On va mettre les pousseurs là-bas. Allons chercher. Pousseur! Pousseur! Oui, je suis là, non, madame, je suis là. Non, je suis lui, il a médié à son. Ouais, j'ai le pouce, voilà mon gagne. C'est comment tu fais quoi ici au marché? Madame, arrête. Tu fais quoi, madame? Le travail, ce n'est pas une histoire de famille. Tu fais quoi? C'est toi qui l'as dit comme ça. C'est moi qui vous avez appelé. C'est moi que vous avez appelé en premier, madame. C'est quoi? Madame, je suis arrivé en premier. Laissez la bonne histoire là. Madame, va t'asseoir. Va t'asseoir, pardon. Madame, c'est quoi? Va t'asseoir. Demain, ça sera ton tour. On revient au marché. Va t'asseoir, va t'asseoir. Je vous respecte, madame. Je vous respecte. Apparemment, tu le connais. Oui, c'est mon camarade. Hey, je te dis. Je te dis, c'est ce que Dieu en fait pour moi. Toutes les personnes dans les plantes. Mais vous partez où? Vous partez où? Ne commence pas ta chose là. Tu comme tu sais que tu te dérange pas. Eh, Dieu va faire ça, non? Bon, c'est vous allez quand même bien vivre. Ce n'est que 7 régimes. Vous allez bien vivre. Ce n'est que 7 régimes. Non, vous allez bien vivre. On va gérer le temps. Allons. Ok. Ça c'est pour le linge, ça c'est pour les vitres, et là c'est pour le corps. Ce sont les savons. Ça peut laver bien la vitre de ma voiture. Non, ça nettoie bien, ça voiture. Nettoie vraiment, ça nettoie tout. Ça coûte combien, madame? C'est 5 000. Madame, pourquoi c'est cher comme ça? Donc oui, ne te dis rien, monsieur. 5 000. 5 000. Et si je vous donne 4 000? Non, ça dépend du prix d'achat. Ici, on fait dans le bon, c'est la qualité. Ça ne peut pas donner, le prix d'achat ne donne pas, je ne peux pas. Oh madame, vous savez que le Cameroun est dit, non? Je vous donne 4000 francs, ça c'est ça bon. Ça dépend du prix d'achat, il ne peut pas accepter comme ça. Ça ne peut pas la bonne qualité. Non, madame. C'est toi? Coigne? Oui, mon frère. C'est toi? C'est bien moi. Comment tu vas, mon frère? Me voici. Mais ça fait longtemps. Vraiment longtemps, Bruno. Et qu'est-ce que tu fais là? On dirait un pousseur. On dirait pas un pousseur, Bruno. Qu'en réalité, je le suis. Toi, pousseur? Toi que quand on était au lycée, tu étais si brave, si intelligent. On nous insultait chaque jour à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu dois sans doute te rappeler. Un lundi matin au rassemblement, on est venu annoncer le décès de mon père. Oui, je me rappelle. C'est depuis ce jour-là que ma vie a pris ce tournant. Comment ça? En fait, il est vrai qu'après le décès de mon père,
mon oncle m'a pris en charge afin que je puisse poursuivre mes études jusqu'à l'université. Et directement en première année, il s'en est aussi allé. C'est là que mon frère, je n'y avais plus rien à faire. Je ne pouvais pas joindre les deux bouts. Je suis donc retourné au village pour aider ma maman dans les travaux champêtres. Ça fait exactement 4 mois que je suis remonté en ville. Question de trouver quelque chose à faire, mon frère. Et tout ce que j'avais à faire, c'était le pouce. Mon frère, que ton histoire est triste. Ton histoire est triste. Vraiment. De toute la façon... En réalité, monsieur Bruno, on ne doit pas s'apitoyer sur mon sort. Qu'est-ce que toi, tu deviens? Je peux dire gloire à Dieu aujourd'hui. Madame, tenez votre argent. Ok, d'accord. Oui, vraiment, je peux dire gloire à Dieu aujourd'hui. Ça va chez moi. Ça va chez moi. Parce que, en fait, je suis PDG d'une microfinance dite Bruno Express Exchange. Il y a l'une de mes agences là-bas à l'entrée de la ville. Je ne sais pas si tu vois. Bruno Express Exchange? Oui, Bruno. Mais ça porte ton prénom? Ça porte mon prénom, c'est vrai. En fait, c'est parce que je suis actionnaire majoritaire. C'est pour ça que ça porte mon prénom. Mais Bruno, tu as réussi, mon frère. Oh, mon frère. Laisse. Tu ne vas pas te mettre à genoux devant moi. Tu es mon ami. Vraiment. Tu sais, il ne faut pas qu'on s'appuie. On perd trop le temps ici. Tu sais, prends, voici ma carte de visite. Tu m'appelles. Oui, mon frère. N'est-ce pas? D'accord. On va causer. Je vais t'appeler. On va mieux... Tiens aussi ça. Tu prends quelque chose avec. Merci, tu m'appelles, Bruno. Hein? Je vais t'appeler. Je ne manquerai pas, mon frère. Bonne journée. Bonne soirée, mon frère. Merci, merci, okay. Bruno. Okay. Oh là là. Mon Dieu. Madame, donnez-moi mon produit là. C'est le temps de manger l'autre. Hein, mon père. Le gars dit tu ne dois jamais cesser de m'étonner. Tu es vraiment un bon villageois, mon frère. Finis de manger la banane et tu suis dans la canne après. Vraiment, hein. Ce n'est pas ça que tu es en train de faire là-bas. Hein. C'est quoi, la ça? Même chose. Non. Okay. Ce que je suis en train de faire, comment? J'ai fini la banane et je vais sucer la canne après. Ah, c'est la même toi, chose. Tu exagères. C'est la même chose. Tu exagères. Tu crois qu'on va demeurer pour ça, mon frère? On va tout continuer comme ça jusqu'au jour où Dieu va nous trouver notre travail. Ce n'est pas croyable. Tu vois qu'on va faire comment? On va tout continuer. Est-ce que le pouce est même un bon travail, mon frère? Dieu lui-même a dit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Je dis, hein? Oui. Quand Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Pourquoi vous aimez chercher pour vous mettre sur la tête de Dieu comme ça? Dieu a parlé quoi? Ah, dis donc, laisse-moi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et en tout cas, tu es pas en train de t'aider déjà. Tu te pousses, tu es en train de pousser. C'est quoi? Dieu a dit que. En tout cas, ce n'était pas vraiment mon problème. Je ne voulais pas que l'on se mette à discuter. En fait, ce n'est pas un problème que je cherche. Je veux simplement que l'on réfléchisse un peu sur notre situation. Bon, quand je te parle là, j'ai une idée. Et on peut se battre comme ça pour changer notre situation. Je te dis que tu prends tout, sauf verser le sang. J'ai une famille à protéger. Je te dis ça. J'ai une famille à protéger. Donc, moi-même, tu peux tout me dire, mais je ne peux pas verser le sang. Mon frère, tu n'es pas le seul à avoir une famille. Je t'ai déjà dit, moi-même, je ne peux pas verser le sang. Je ne peux pas verser le sang. En fait, tu sais... Je suis allé à l'université. Toi, tu as arrêté les classes en troisième. J'ai au moins fait première année universitaire. Là-bas, j'ai eu beaucoup de relations, mon frère. J'ai connu beaucoup d'amis là-bas. Tu vois, on peut s'entendre là. Je les appelle et toi, tu les appelles de l'autre côté. On crée un groupe. Tu as dit quoi? Que tu as regardé jusqu'à où? À l'université, non, mon frère. Quoi, tu me fais souvent rire, hein? Université. Tu vois là, là, le pouce, non? Université. Ouais, mon frère. Tu vois là que ça te donne le travail, alors? Université.
En fait, c'est pas ça. On est tous en train de descendre sans plan. Ce n'est pas ça l'honneur. Je voulais tout simplement que l'on s'entende. On appelle tous nos amis là. On crée un groupe là. On jongle comme ça, on jongle comme ça, mon frère. On les prend de l'argent et on s'enfuit pour changer notre situation. Tu peux avoir une bonne idée, Ethan. Tu peux avoir une bonne idée. Mais. Et toi, tu dis, ça va m'aider à quoi? Moi, je veux, ce que je veux, qu'on trace un bon plan. S'il faut frapper, qu'on trace un bon plan, il ne veut pas aller en prison. C'est ce que tu nous dis. Il ne veut pas faire la prison. Non, on ne doit pas aller en prison. Il ne veut pas faire la prison. Donc, il faut bien réfléchir avant de me donner un plan. C'est vrai que c'est intéressant, mais attention. Oui. Bon, en fait, l'idée est là. Mais je vois que le milieu n'est pas bon pour que l'on puisse vraiment en parler, n'est-ce pas? On se retire là, on trouve un endroit. Puis tel le soir, dès qu'on a fini le travail, on se retrouve le soir pour mieux en parler. Je suis sûr qu'on va s'entendre là-dessus. C'est mieux. Oui. Et à tous. Je vous remercie d'avoir honoré à ce rendez-vous que nous nous sommes pris ici ce matin. En fait, je vais être bref. Nous avons dû penser qu'il était urgent de créer une association des jeunes élèves et étudiants résidant à Bafoussam, en abrégé AGEB. Et si vous avez tous accepté d'être là, c'est que c'est parce que vous avez mûri la réflexion là-dessus et aviez trouvé que c'était nécessaire pour nous. Nous allons donc de ce pas mettre sur pied un bureau qui doit œuvrer sur un an. Alors après quoi, si nous trouvons nécessaire de faire des modifications, nous le ferons. Je vous remercie. Mais les gars, ça mérite des ovations, non? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je pense que vous avez fait pareil que moi en écoutant attentivement les propos de notre camarade. Et je pense également que tout le monde en a été convaincu. C'est vrai que pour mieux évoluer dans la vie, on doit souvent se faire des rencontres. En fait, nous n'allons pas être longs. Je voudrais tout simplement que nous nous présentions chacun à son tour afin que l'on sache désormais qui est qui et sur qui nous pouvons compter. Sur ce fait, je propose que les présentations commencent là. Merci. Déjà, merci. Famille, bonjour. Bonjour. Déjà, moi, je me nomme Toupi Ledoux Bruno, PDG de Bruno Express Exchange. Je suis né à Bamika. Je vous remercie. Rebonjour à tous. Merci. Moi, c'est le nommé Kwagne System. Je suis né à Bafoussam et je me débrouille. En un mot dit, je suis pousseur.
pour me donner 5 000. Tu attends 5 000. Monsieur Kouang, il y a un système. Oui. Madame Eyana Marie. Oui. $15,000, elle a donné. Les jeunes d'État là. $15,000, il a donné. Monsieur Tala Hervé. Présent. $15,000, il a donné. Monsieur Taka Jaël. Présent. $15,000, il a donné. Monsieur Kouyaté. Présent. $15,000, il a donné. Monsieur Mbala Atangana. Présent. Monsieur Tanye Lyon Blanc. $15,000, il a donné. Oui, monsieur Tanye. $15,000, j'ai donné. Et moi-même, madame Mangaku. Chers membres, notre fonds de caisse est déjà à 915 750. Et comme on s'est entendu la dernière fois, il nous faut trouver un trésorier qui va s'associer au commissaire, au compte et au président pour nous ouvrir un compte d'épargne. Vous savez, quand l'argent est déjà beaucoup en caisse et que c'est une personne qui garde, un bandit peut surgir de nulle part et agresser la personne et cet argent-là, nous allons le perdre. Donc, trouvons un trésorier pour cela. À mon humble avis, je pense que le président est la seule personne mieux placée pour voter pour donner un trésorier. Puisque dans une réunion, le trésorier doit être quelqu'un à qui on fait confiance. On ne met pas n'importe qui comme trésorier. Ce n'est que le président qui a l'amabilité de choisir une personne dans la salle comme trésorier. Ça, c'est ma proposition. Effectivement. Bon, pour le respect que je vous dois, je préfère qu'on passe par le vote. Moi, je veux être candidat. Calme-toi d'abord. On se calme. Okay. Ok. D'accord, on se calme. Monsieur Gabriel pose sa candidature pour ce poste. Qui d'autre? Qui d'autre? Vous êtes nombreux, hein? Vraiment. Vous voyez que c'est difficile à choisir. Et ce n'est que le président qui est mieux placé pour choisir un trésorier. Comme je l'ai si bien dit. Monsieur le président, vous avez la parole. Bien, compte tenu que j'ai le souci de l'avancement de notre réunion-ci, je choisis M. Tala. Non, M. le Président, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous portez tout le choix sur vos amis? Mais ça, ça devient suspect. C'est que vous manigancez vos amis et vous depuis là, mais M. le Président, il vous est à l'œil, hein? Qu'est-ce qui ne va pas là? Mais, monsieur, comment quelqu'un ne lève pas le doigt et tu le choisis? Mais, ça c'était... Mais, monsieur, vous vous adressez à qui comme ça? C'est au président que vous parlez? C'est une opinion que je donne. Non, non, monsieur, 5 minutes ça, dehors. Sortez. Ça, c'est incroyable. 5 minutes ça, dehors. Ça, mais il parle comme ça au président. Le président parle, tu lèves le temps. Je respecte la hiérarchie. Ça, c'est quoi ça? Sortez. Nous avions quand même un règlement intérieur là dans la réunion. Mais c'est quelle histoire ça? Ah, ça, c'est ça, les gens qui viennent mettre le trouble dans la réunion. Monsieur Tala est trésorier. Tout ce qu'il dit là ne sert pas. Tu es pour, tu es contre, le président a parlé et on note. Un point, c'est tout. Mais du moins, madame Marie, non, c'est écrit. C'est fini. Il n'y a plus de débat là-dessus. On ne peut pas prendre tout ce qu'on va dire. Il n'y a plus de débat. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis plus d'accord avec ça. Il n'y a plus de débat. Madame la
secrétaire, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous vraiment ce qui se passe, en vrai. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne comprends plus rien. Depuis quand? Depuis déjà à 3 séances, le président n'est pas là. Soit ça avait son contrat. Gabriel, qu'est-ce que tu veux entendre de ma bouche? Moi, je suis autant dépassé que toi, Gabriel. Ça fait longtemps que j'appelle le président, son numéro ne passe pas. J'appelle le commissaire au compte, le numéro ne passe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis fatigué, je ne comprends plus rien. Je suis dépassé pour cette affaire. Tu ne comprends plus rien comment? N'est-ce pas la dernière fois quand celui-ci s'est présenté pour être membre, pour être trésorier, toi tu as refusé. Toi tu es même un suspect pour moi. Hein? Tu as fait tu es même un suspect pour moi. Moi je te dis. N'est-ce pas tu étais toujours contre moi? Tu étais toujours contre moi. Quand je prenais une position, tu étais contre moi. Aujourd'hui tu vois que j'avais raison. Non, hein? Non. Faut pas compliquer les choses. Compliquer quand quoi? Non. Moi je te prends même pour suspect. Je me dis que tu es même dans le coup. Tu es comment en train de venir ici aussi nous bêler. Non. Moi je ne te comprends pas. Non. Mais de toutes les façons, dès la première séance, qu'ils ne sont pas venus à la réunion, je suis allé voir mon marabout. C'est quand ce soi-disant président, comme il était même d'abord maigre comme quoi là, quand il va faire une semaine sans chier, c'est là qu'il va commencer à réfléchir. Mon marabout va bloquer les cacas dans son ventre. Mon frère, faut au moins faire ça, si notre agent peut même entrer. Mon âme ne peut même pas bouger. Je vais remuer ciel et terre pour retrouver ce bandit et ses amis. Déjà, dans ce compte, j'ai mis mon argent dedans plus de 500 000. Comment l'homme est méchant comme ça? Quand il est là, c'est comme ça mon ami. Hein? Quand on était au lycée, c'était mon ami. Et si tu pouvais voir comment quand il m'a vu, la fois dernière on s'est rencontrés, en route là, j'étais en train d'acheter un produit. Le gars m'a supplié de l'aider. Donc quand je mettais assez d'argent là-bas, je savais que le gars, je devrais après, n'est-ce pas? Si on garde cet argent dans ma microfinance, je prends, j'aide le gars avec, afin qu'il me rembourse un peu. Oui, donc c'est-à-dire, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Mais vous savez, de toutes les façons, notre argent ne peut aller nulle part. La fois dernière, quand on était ici, comme ils ne sont pas venus là, je suis sorti, je suis allé au commissariat déposer une plainte préventive. Donc, on attend encore 30 minutes. Il est à 16h, on attend 30 minutes. S'ils ne viennent pas, au sorti d'ici, j'appelle directement mon avocat. Oh, vraiment. Je suis dépassée, Bruno. Quand tu parles comme ça, celui de Tagne là, c'était mon camarade et c'est lui qui m'a même amené à la réunion. Regarde ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est quoi? Comme tu parles de plainte là, la plainte, ça ne veut même rien dire. Le marabout est bien parce que moi, je veux mon argent. Tu t'imagines le soleil, la pluie, tu es là pour faire ton call box. Pour te débrouiller, quelqu'un vient tout porter comme ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est quoi? Les gars, l'affaire-ci vraiment me dépasse. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai fait les comptes avec le commissaire au compte. On était à 1 380 000. Et depuis pratiquement les 3 semaines qu'ils ne viennent pas, j'ai essayé l'autre jour, avec toute l'inquiétude que j'avais, d'aller à la banque me rassurer que tout va bien. Mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà tout vidé. Vous ne pouvez pas imaginer la crise que j'ai failli piquer ce jour. Tu as failli faire quoi? C'est l'AVC qui a failli me prendre ce jour. Non. Vraiment? Franchement, il fallait que tu te couches devant la banque. Tu te souviens la dernière fois quand celui-ci s'est présenté pour être trésorier. Qu'est-ce que tu as dit ce jour-là? Toi-même, tu as dit quoi? J'ai dit quoi, mon frère? Toi-même, tu as dit quoi? Vous savez, c'est maintenant que je comprends quelque chose. Je comprends pourquoi ce gars a refusé de garder cet argent dans ma microfinance. Je comprends. C'est-à-dire, les gars avaient déjà tout planifié. Vous voyez un peu ça? Ils ont dit que non, ils cherchent une banque, ils ne veulent pas la microfinance. Je n'ai rien compris. Oh, et tu parles comme ça? Parce que normalement, une réunion, comme j'avais dit la fois dernière, il fallait signer les papiers de cette réunion. Madame la secrétaire. Mais maintenant, je comprends aussi. J'ai dit l'autre jour ici que quand ça va péter, ça va sentir. Tu m'as répondu que quoi là? Je répondais à Et pas d'avoir l'argent pour te changer de place. Pas t'asseoir là-bas. Hein. Pas t'asseoir là-bas, pas ta place. Bon, elle va s'asseoir là-bas. Les amis, il est déjà.
Laisse-moi au quartier 8 là-bas. Quartier 8, madame, vous payez combien? J'ai 250. Donnez 300, non? J'ai 250. Montez en bas, après, montez en bas. Qui je vois là? Antoine. Ouais, madame. Non, lâchez-moi. Madame, lâchez-moi. Oh, voilà. Madame, lâchez-moi. Oh, voilà. Lâchez-moi, madame, lâchez-moi. Je ne peux pas. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, oui. Le monsieur que vous voyez là, nous avons créé une réunion ensemble à Bafoussam, dont il était le président. Donc, lui et les trois signataires ont vidé toutes les caisses et ils sont partis. Ah bon? Donc, je suis surprise de le trouver ici en Consamba. Ça me dépasse. Pas tout à coup, Agnès. Ya, ya. Regarde ce que je suis devenue à cause de toi. Ya, Agnès, avec toute la confiance là. Bon, monsieur, levez-vous, expliquez-moi. C'est vrai ce que cette dame dit? Chef, oui. Elle a dit toute la vérité. Ah bon? Oui, chef. Bon, où sont tes complices? Chef, avant que je ne quitte Yaoundé, oui. Ma boutique s'était brûlée. J'ai laissé mon confrère là-bas, il a pris le vol pour la France. Avant que nous n'arrive là-bas, on avait laissé l'autre à Douala, je ne sais pas ce qu'il fait. Ok, levez-vous, nous allons au commissariat. Nous allons de ce point au commissariat vous faire enregistrer. Monsieur, je vous embarque aussi. Chef. Hein. Il sait le métier des hommes. Ça va. Il sait le métier des hommes, il est masqué. Nous allons de ce pas au commissariat vous faire enregistrer. Puis, vous allez nous conduire chez vos complices, ok? Oui, chef. Oui, madame, vous nous suivez. Ouais. Avancez comme ça. Ouais,